C'est à la formation sanitaire urbaine à base communautaire à Abobo-Sagoué que le maire de la commune d'Abobo a débuté sa tournée. Ahmed Bakayoko s'y est rendu les mains chargées de présents. Des kits de maternité ont été offerts aux femmes ayant donné naissance à un enfant, ce à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Après Abobo-Sagoué, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le centre de santé urbain d'Abobo-Bessé pour apporter le sourire aux femmes en couche. C'est un moment de célébration pour toutes les femmes. Vous savez, je pense que la femme, la mère, la sœur, c'est le meilleur de nous-mêmes. Et c'est l'occasion donc de les célébrer. Nos mamans, nos mères, nos femmes ont porté nos vies, portent la vie, portent nos communes. Et ici à Abobo, je peux témoigner de ce que les femmes rythment la vie de la commune. Et en ce moment-là, en tant que maire de la commune d'Abobo, je voulais partager ce moment avec elles. Et j'ai pensé que les femmes qui sont au moment de donner la vie sont celles-là qu'on devait regarder avec plus d'attention. Après la visite de ces deux centres de santé urbain, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a parachevé sa tournée à Abobo quartier Bobila, chez la doyenne de la commune, Sidibé Oria, aujourd'hui âgée de 102 ans, et qui lui a prodigué de sages conseils suivis de bénédictions.